Question 22. Je continue le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est en réalité 18h27. Arnaud, je croyais qu'on devait finir les choses jusqu'au bout, oui, bah... et qu'on devait être précis. Ça a été mon reproche de ce semestre. Bah oui. Je m'applique. Je suis une bonne élève. Non, vous t'oublie pas un message. La musique de cet épisode a été composée par Anthony Barrault. Il a travaillé à partir d'un pré-montage. Anthony ne voit pas les images que je lui envoie. Il est aveugle. Il travaille à partir de la description que lui en fait sa compagne Claudie. Anthony transforme ce récit parlé, ses mots en sonorité, en musique. Je n'ai jamais rencontré Claudie. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix, sauf peut-être une fois au téléphone. Mais j'aime penser que cette voix absente, cette voix off, est pourtant bien présente dans la musique concrète d'Anthony. Je dois dire que cette circulation entre images, paroles et musique me fascine totalement. Pouvons-nous parler de transsubstantiation ? Ce dont je suis sûr, c'est que nous allons poursuivre cette exploration, puisque la question de la vision est au cœur du journal filmé. Ce qui est vu et ce qui n'est pas vu, ce que l'on croit voir et ce que l'on ne voit pas, le champ et le hors-champ.